Bonjour, petite introduction au sujet des professionnels, chapitre qui va commencer après cette capsule vidéo. Je suggère fortement qu'avant même d'enclencher ou de démarrer des démarches à rencontrer ou appeler des professionnels, de vous poser quelques questions et d'y penser, d'y réfléchir fortement. Telles que, on peut parler de rêve. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous désirez avoir comme travaux, comme réno? Vos idées. Est-ce que avec les années ou avec les mois que vous commencez à penser à votre projet, que vous avez accumulé certaines idées et que vous avez développé un aspect ou une image ou un projet spécifique selon vos idées à vous personnelles? Quels sont aussi vos besoins? Question de un exemple, vous avez une famille et la famille grandit, la salle de bain principale que vous aviez n'est plus suffisante, ça en prend une deuxième. Donc, une question d'évaluer vos besoins et de vous questionner sur celle-ci. Un point très important dont je vous ai mis une belle petite étoile avec un beau sourire est la suivante. Quelles sont vos finances en ce qui concerne le projet que vous voulez entreprendre? Tel qu'un exemple, vous voulez agrandir votre maison, acheter un garage et votre budget serait de 10 000 alors que le projet demande 55 à 65 000. Donc, des questions très importantes avant d'enclencher les processus, d'appeler ou de rencontrer des contracteurs. Il y a aussi une question de temps. Est-ce que dans votre horaire à vous ou votre famille, avec conjoint, sans conjoint, est-ce que votre horaire vous permet sous peu de faire les travaux que vous anticipez? Tel un exemple, vous avez déjà un voyage de planifié que vous allez quitter durant un mois, mais vous aimeriez que les travaux soient effectués avant. Donc, est-ce que le temps est réaliste? C'est une question à vous poser et aussi à tenter d'avoir la réponse. Du déjà vu. Est-ce que vous avez déjà vu dans votre famille, des amis, sur Internet, dans des magazines, des photos du projet que vous aimeriez faire et que c'est exactement la même chose que vous aimeriez avoir à votre domicile? Donc, vous allez sauver du temps pour vous-même et aussi pour les entrepreneurs qui vont être impliqués dans votre projet. Donc, on va parler de sauver de l'énergie et de sauver, parce qu'on dit toujours le temps, c'est de l'argent, donc de sauver du temps sur cet aspect-là. Autre point super important que je mets en dessous de toutes mes petites capsules vidéo sur YouTube, je mets toujours « Informez-vous en ce qui pourrait vous empêcher de faire votre projet. » Est-ce que la municipalité pour votre district, pour votre terrain, votre cadastre, vous empêcherait de faire un garage alors que c'est votre désir, c'est votre projet que vous aimeriez avoir? Donc, ces questions-là, pensez-y bien, informez-vous comme il faut avant même, comme je dis, de déclencher une démarche. C'est sûr que si dans vos questions qu'on a ici, l'entrepreneur comme moi, un entrepreneur général ou une autre personne spécialisée qui va être présentée sur les capsules à venir, là, à ce moment-là, si on peut vous aider pour répondre à vos questions, contactez-nous. Merci beaucoup.